Maseret Shabbat Daf Yud Alef, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Ve'amar Rava Bar Marcia, Marav Chama Bar Guria, Marav. On a vu dans le Daf précédent plusieurs enseignements de ces Chachamim là, donc de Rava au nom de Rav Chama au nom de Rav, et la Gemara continue à citer encore d'autres enseignements en son nom. Kol Ir Shegagote Agvoim Bet Akneset, toute ville dont les toits des maisons sont plus hauts que le Bet Akneset, la Shul, les Sofra Reva, elle va être détruite. Chez Neymar, comme il est dit, les Romem et Bet Elokenu, pour donner de la grandeur à la maison de notre Dieu, donc c'est-à-dire que la maison soit, la grandeur soit physiquement même aussi plus haute, ou la Mid et Chorvotav, et pour faire tenir ses ruines. Donc on voit que pour que ça ne devienne pas, ça dépend l'un de l'autre. Si la maison d'Hachem elle est haute, alors il n'y aura pas de ruines. S'il y a d'autres maisons qui dépassent la maison d'Hachem, le Beta Knesset, alors, c'est ce qu'on a dit, les Sofra Reva, cette ville-là sera détruite. Ben Eman Mile Bebatim. La Gemara ajoute une précision là-dessus, c'est que, en ce qui concerne les maisons ne doivent pas être plus hautes que le Beta Knesset. Aval Bekishku Shevavroure, mais les tours et toutes sortes de tours ou de constructions de ce genre qui ne servent pas d'habitation, Letlanba, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème-là. Les tours, pas d'habitation, les tours qui sont là pour faire joli. Et donc ces choses-là, c'est pas grave si ça dépasse le Beta Knesset. Amar Ravashi, Ana Avdele Mata Marcia de Locharva. Ravashi a dit, moi j'ai fait de sorte à ce que la ville de Mata Marcia ne soit pas détruite. Demande la Gemara Vacharva. Pourtant, on voit bien qu'elle a été détruite. Aujourd'hui, on ne connaît personne qui est habitant de Mata Marcia, en tout cas moi personnellement. Répond la Gemara, mais Oto Avon Locharva. De cette faute-là, elle n'a pas été détruite. Peut-être que pour d'autres raisons, effectivement, ça a été détruit, mais cette avéra-là ne s'est pas... Ravashi faisait attention à ce qu'on ne fasse pas de construction de maisons habitées plus hautes que le Beta Knesset, ou plutôt on faisait attention à ce que le Beta Knesset soit plus haut que tout. Et donc, au moins, ça n'était pas une raison pour causer la destruction de cette ville-là. V'amar Rav Bar Marcia, Amar Rav Chama Bar Guria, Amar Rav. Nouvel enseignement encore. Tachat Ishmael velo tachat Nochri, il vaut mieux être soumis à un descendant de Ishmael plutôt qu'à un descendant de Esav. Comme ça, je t'explique. Tachat Nochri velo tachat Raver, il vaut mieux être encore soumis à un descendant de Esav plutôt qu'à un descendant de Raver. C'était une nation, un peuple des Perses qui était encore plus dangereux que les Goïm, les chrétiens, descendants de Esav. Tachat Raver velo tachat Talmid Chacham, il vaut mieux être sous un chaver, un perse dangereux, plutôt que d'avoir à faire un problème face à un Talmid Chacham. Il est encore plus dangereux. Le Talmid Chacham, s'il punit quelqu'un, si le Talmid Chacham se met en colère contre quelqu'un qui le punit, eh bien le danger est encore plus grave que celui d'un chaver, donc de ce perse-là en question. Parce que le danger, le Talmid Chacham, il a affaire à du feu. Enfin, celui qui a affaire à un Talmid Chacham, il a affaire à un danger spirituel et on ne sait pas qu'est-ce qui va lui tomber dessus. Tachat Talmid Chacham, velo tachat etam balamana. Il vaut mieux encore avoir affaire à un Talmid Chacham plutôt qu'à un orphelin ou une veuve qui, eux, avec une larme, ils peuvent mettre en danger la personne encore plus que le Talmid Chacham. Ve'amar Rava Bar Marcia, Amar Rav Chama Bar Guria, Amar Rav. Kol choli velo choli me'aim. Toute maladie est pourvu que pas une maladie d'intestin qui est plus grave que les autres, qui fait plus souffrir que ça. Kol ke'ev velo ke'ev lev. Toute douleur, mais pas une douleur cardiaque. Kol mechush velo mechush rosh. Toute mechush, ça veut dire, c'est aussi une douleur, mais la différence entre ke'ev et mechush, c'est que Rashi explique que mechush, c'est plus léger que la douleur, une vraie douleur. Et donc, il vaut mieux souffrir de n'importe quel mechush, n'importe quel mal, cette douleur, et pas qu'il ait mal à la tête. Et kolra'a velo ishara'a. Tout kolra'a, tout malheur, et pas il vaut mieux avoir affaire à n'importe quoi de méchant, et pas une femme méchante. V'amarav abar marcia, marav chama bar gourya, marav. Imyu kolayam mimdio. Si toutes les mers étaient remplies d'encre, v'agamim kulmusim, et tous les roseaux des étangs, on s'en servait de stylo pour écrire, et les ciels
de toile pour écrire dessus. Vechol bene Adam lavlarin, et que tous les gens, les êtres humains étaient écrivains, en maspikim nirtov chalala shel rachut. Ça aurait été insuffisant pour écrire chalala, ça veut dire la profondeur du cœur, shel rachut, de l'autorité. Le roi, Rashi explique, il doit s'occuper de plusieurs choses différentes en même temps. Et il y a les impôts, il y a les guerres, il y a la justice, et tout ça, il doit s'occuper en même temps, dans la même journée. Donc, il doit avoir une profondeur de cœur qui puisse supporter toutes ces choses-là en même temps. Maïkra'a, d'où on l'apprend, de quel pasouk? Amarav Meshar Shia Shamaim Larum Ve'eretz La'omek, ciel en hauteur et terre en profondeur, Ve'lev Melachim En Cheker. Et le cœur des rois n'a pas de recherche, on ne peut pas retrouver le fond de du cœur des rois. De même qu'on ne reconnaît pas la hauteur des cieux, la profondeur de la terre, de la même manière, on ne peut pas reconnaître la fin, le fond du cœur des rois. Ve'amar Rav Abba Bar Marsi Amar Rav Chama Bar Guria Amar Rav Yafa Ta'anit Lachalom Ke'esh Lin Oret. Eh bien, le jeûne pour annuler un mauvais rêve comme brûle le feu, la Ne'oret c'est des petites de la laine, mais des poils de laine. Amar Rav Chisda Ubo Bayom, à condition que ce jeûne soit fait le même jour où il a rêvé. Amar Rav Yosef Afilu Be'Shabbat, même pendant Shabbat, s'il a fait un mauvais rêve et qu'il en souffre, et qu'il en est perturbé, il en est inquiet, alors il peut jeûner, même pendant Shabbat, pour brûler son mauvais rêve. Rabbi Yoshua Bered Ravidi Krela Lebe Ravashi raconte également une histoire sur Rabbi Yoshua Bered Ravidi, qui était venu chez Ravashi, Avdele Egla Tilta. On lui a donné, en son honneur, on lui a présenté, on lui a servi un troisième veau. Le troisième veau de la vache, c'est le meilleur. Les premiers, la vache, elle n'est pas encore suffisamment en forme pour faire un veau suffisamment bien. Le troisième, il est le meilleur. Et donc, on lui a servi donc justement de ce veau-là, qui est vraiment de la viande excellente. Amroulé, on lui a dit, lit ommar midé, que notre maître goûte quelque chose. Amarlou betanit ativna, il leur a dit, je suis désolé, je suis en jeûne. Amroulé, ils lui ont dit, vlo savar les mar, les had et raviuda, est-ce que mon maître ne pense pas comme ce que raviuda a dit? Dama Ravuda love Adam Tanito Porea. Ravuda dit un homme peut emprunter son jeûne et le rembourser. Donc aujourd'hui tu peux manger. Et demain ou un autre jour tu vas rembourser ton jeûne. Tu vas refaire ton jeûne. Amarlo il leur a répondu. Tanitra l'homme, c'est un jeûne après un mauvais rêve. Et donc je dois le faire aujourd'hui comme ce qu'on a vu. Dama Ravrama Barguri Amarav, comme on a vu que Yafa Tanit le Chalom Keshinoret, eh bien. Un jeûne pour brûler le rêve comme le feu brûle la laine ou le lin. Ve'amar Avrisa uvo bayom. Et on a dit qu'on ajoutait là-dessus à condition que ce soit sur le jour même. Ve'amar Rav Yosef afilu be'Shabbat. Même Shabbat c'est permis. Donc vraiment, je n'ai pas le choix que de jeûner qu'aujourd'hui. Ve'imitrilu mafsikin. On a vu dans la Mishnah, s'ils ont commencé, une des choses interdites à commencer lorsque l'heure de Mincha approche, on n'a pas besoin de s'arrêter. Donc, s'il a commencé à manger, il ne s'arrête pas de manger, par exemple. Mafsikin, kiratma, on s'arrête pour le schéma, mais, fin de Mishnah, on ne s'arrête pas pour la tfila. La Gemara demande, c'est une répétition. On a déjà dit que si on a commencé, on ne s'arrête pas. Pourquoi est-ce que la Mishnah se répète en disant, pour le schéma, on s'arrête, mais pas pour la tfila? On a déjà dit que pour la tfila, on ne s'arrête pas. Hatana le Recha. On a déjà enseigné dans la Recha au début de la Mishnah. En mafsikin. On ne s'arrête pas pour la tfila, donc pourquoi cette répétition? Répond la Gemara, sefa hatana et divrei Torah. La fin de la Mishnah qui dit Aval en mafsikin et tfila, donc ça se trouve à la fin de la Mishnah, la Gemara ne l'a pas cité ici. Ça, c'est une nouvelle halakha en réalité qui se rapporte à propos des paroles de Torah. Des Tania, comme on voit dans une braïta, Chavirim Shayu Askin Batorah, quelqu'un qui est des Talmidei Chachamim qui sont occupés par leur étude, par leur limoud. Ils sont en train d'étudier la Torah. Mafsikin kiratma ben mafsikin et tfila. Ils s'arrêtent pour lire le schéma, mais ils ne s'arrêtent pas pour la tfila. C'est ça ce que la Mishnah a dit, on s'arrête pour le schéma, mais pas pour la tfila, ça ne se rapporte pas sur les premières choses qui sont citées dans la Mishnah, ça se rapporte sur les Talmidei Chachamim qui sont en train d'étudier la Torah. Amar Rabbi Yochanan lo shanu la kegon Rabbi Shimon ben Yochai va chaverav. On a dit cette halakha de ne pas s'arrêter pour la tfila que à des Talmidei Chachamim du niveau de Rabbi Shimon ben Yochai et ses amis. Chez Toratan ou Manutan. Donc la Torah, c'est ça leur métier, c'est ça leur occupation essentielle, ils ont rien d'autre que ça. Aval kegon anu, mais des gens comme nous, qui s'occupons aussi d'autres choses pour nos besoins de Parnassa.
Mafsikin kriatma b'letfila. Du même que on s'arrête de notre limoud pour s'occuper de nos besoins, de la même manière on doit s'arrêter évidemment pour la tfila aussi, de même qu'on doit s'arrêter pour le schéma. Ve'atania demande la Gemara keshem she'en mafsikin etfila kacha mafsikin kriatma. On a une autre braïta qui dit que de la même manière qu'il ne s'arrête pas pour la tfila, il ne s'arrête pas non plus pour le schéma. Alors qu'ici on a dit que même des gens, même des chachamim comme Rabbi Shimon qui ne s'arrêtent pas pour la tfila, pour le schéma, ils doivent vite s'arrêter. Donc pourquoi, comment comprendre cette braïta, cette dernière braïta qui dit de ne pas s'arrêter pour le schéma non plus? Répond la Gemara qui tanehai, quand est-ce qu'on a enseigné, à propos de qui on a enseigné cette braïta de ne pas s'arrêter pour le schéma? Beibur Shana. Des chachamim qui sont en train de décider est-ce que on va faire un 13e mois dans cette année, oui ou non. Demar avada barava, vechen tanu save da grunia. La Gemara ramène que Aravada Barava et aussi ont enseigné les anciens de Agrunia, c'est le nom d'un endroit, Amar Rabbi Elazar Bar Tzadok, au nom de Rabbi Elazar Bar Tzadok, Shainu Oskin Beibur Shana Biyavne, lorsque nous étions occupés dans la ville de Yavne, quand le Bedin était là-bas, on s'occupait donc de décider est-ce qu'on ajoute un 13e mois dans l'année ou pas. Lo Ayinu Mafsikin, on ne s'arrêtait pour rien, l'eau, les créatures, veulent être fila, ni pour le schéma, ni pour la fila. Même pour le schéma, on ne s'arrête pas, de peur que si on s'arrête, on va perdre nos calculs, ou on n'arrivera pas à décider clairement quoi faire. Et donc, c'est pour ça qu'on était préoccupé par cette mitzvah, on ne s'occupait de rien d'autre du tout que de celle-là. Et donc, finalement, il se trouve comme ça. Nous avons ici trois degrés. Nous avons le degré, disons, on ne s'arrête pour rien du tout. Ce sont les chachamim qui s'occupent de décider est-ce qu'on ajoute un 13e mois dans l'année ou pas. Là, on ne s'arrête même pas pour le schéma. Nous avons un deuxième degré qui sont Rabbi Shimon et ses amis qui, eux, n'ont pas besoin d'arrêter leur Torah pour la tfila, mais ils doivent vite s'arrêter pour le schéma. Nous avons un troisième degré qui sont les autres Talmidei Chachamim qui s'arrêtent pour leurs besoins personnels. Eux doivent s'arrêter aussi, non seulement ils doivent s'arrêter donc de leur limoud, de leur étude de la Torah, non seulement pour le schéma, mais même pour la tfila. Mishnah suivante. Lo yetzea chayat machato. Et là, enfin, on retrouve la halakha de Shabbat. Donc, lo yetzea chayat machato samuch la chashicha. Un homme, un chayat, c'est donc un tailleur avec son aiguille, samuch la chashicha, proche du coucher du soleil, shema ishkach v'yetzea, de peur qu'il oublie et que pendant Shabbat, il sorte avec son aiguille. Et que donc il risque de la porter pendant Shabbat après la nuit. C'est pour ça que même avant la nuit, déjà, on lui interdit de sortir avec son aiguille. Donc vendredi après-midi. Velo lavlar bekul mousso, on interdit aussi au sofer, à l'écrivain par exemple, de sortir avec sa plume, de manière à ce qu'il n'oublie pas et qu'il risque de sortir avec pendant Shabbat. Velo yefalet kelav, il n'a pas le droit non plus de nettoyer ses vêtements des poux qui se trouvent là-bas. Ça, il s'agit déjà pendant Shabbat même. Veloïkra, ni de lire, les oraner à la lumière de la bougie. On a peur qu'il risque de pencher l'huile vers la mèche pour que la flamme soit plus grande et qu'elle éclaire plus. Et donc c'est pour ça qu'on lui interdit pendant Shabbat de profiter donc de la lumière de la bougie pour lire des lettres qui sont plus petites que de regarder en général, de voir ce qui se passe dans la pièce. Ça, c'est interdit pendant Shabbat. Behemet Amrou, on a pour de vrai dit la Mishnah, Echazan roe chanatinokot korin. Donc Echazan, c'est le professeur, le moré dans la classe, il a le droit de regarder où les enfants sont en train de lire, Abalhu le ikra. C'est-à-dire, il doit vérifier, par exemple, il veut faire un cours pendant Shabbat, et donc selon une explication de Rashi, il s'agit maintenant donc de vendredi soir, il prépare son cours, et donc il ouvre son chumash à la lumière des bougies de Shabbat, pour regarder où on en est, d'où où on va faire, pour revoir exactement qu'est-ce qu'il va leur apprendre demain, le début, la fin, mais avalou le ikra, mais il n'a pas le droit de lire les psukim, que de voir de où à où, par exemple, leur enseigner, et ça sera permis même à la lumière de la bougie. C'est une explication de Rashi. Deuxième explication, c'est le gabaï qui s'occupe du Sefer Torah, par exemple, à la shoul, il entend les enfants lire la paracha, il veut savoir exactement qu'est-ce qu'on lit demain, il n'y est pas, il ne sait pas quoi. Alors, il va voir quelle est la paracha qu'il lise pour savoir régler en fonction la Kriyat HaTorah du lendemain. Kayot Sebo, la Mishnah ajoute encore, autre chose qui ressemble à ce même principe-là d'éloigner les gens de la Avera. Lo yochal azavim azavam ipnei rigal avera. N'a pas le droit de manger un homme impur avec une femme impure, même sa propre femme,
parce qu'ils risquent d'en arriver à des contacts interdits. Et donc c'est pour ça qu'on les a interdits, on leur a interdit de manger ensemble, même si lui est impur aussi, et qu'elle aussi est impure, on leur a interdit de manger ensemble. Évidemment, si l'homme est pur et la femme est impure, et là, ils n'auront pas le droit non plus de manger ensemble, c'est encore plus clair, parce que elle risque de le rendre impur. La Mishnah vient nous apprendre que même si de toute façon l'homme aussi est impur, on lui interdit de manger avec sa femme, de peur qu'il n'en arrive, chas v'shalom, à des relations interdites. Donc tout ça sont des exemples, on voit que les Chachamim ont décrété toutes sortes de choses, de peur qu'on en arrive pour s'éloigner au maximum possible de la Avera, pour ne pas en arriver au grand danger de la Avera. Et ça, c'est pour ça que la Mishnah d'avant nous disait, un homme avant Mincha, dès qu'arrive l'heure de Mincha, il n'a pas le droit de s'occuper de toutes sortes d'occupations qui risquent de lui faire perdre sa tefila de Mincha. Donc ça, c'est venu en tant que introduction à notre Mishnah qui est déjà en rapport avec Shabbat, qui dit que vendredi après-midi, déjà enfin proche du coucher du soleil, on doit faire attention de ne pas sortir avec toutes sortes d'objets qu'on risque de les porter même pendant Shabbat après le coucher du soleil. Nanatam, la Gemara ramène une Mishnah d'une autre Maseret qui dit, dans Maseret Eruvin, Lo yamod adam birshut ha'yachid, un homme n'a pas le droit de se tenir dans un domaine privé, v'yishteh birshut ha'rabim, et de se pencher, de sortir sa tête pour boire de l'eau dans le domaine public. Donc il est chez lui à la maison, il sort sa tête par la fenêtre, par exemple, il demande à quelqu'un à l'extérieur, je peux goûter un peu de ta bouteille, ça moi je t'en prie. Il boit là-bas en sortant sa tête à l'extérieur, c'est interdit. Pourquoi? On a peur qu'il rentre, on a peur qu'il rentre chez lui à la maison, là où il se trouve, la bouteille, par exemple. Et dans ce cas-là, il se trouvera qu'il a sorti, ou plutôt qu'il a rentré la bouteille du Reshut Arabim au Reshut Yachid, et donc les Chachamim lui ont interdit même de boire en laissant sa bouche à l'extérieur. De la même, et inversement pareil aussi, Birshut Arabim, il se tient dans le Reshut Arabim, il n'a pas droit de rentrer sa bouche pour boire Vishte Birshut Yachid dans le domaine privé. Aval imichnis roshov erubo le makom shehushote mutar. Mais si il a mis sa tête et la majorité de son corps à l'endroit où il boit, donc il a sorti, ou il a rentré sa tête et la majorité de son corps à l'endroit où il boit, moutard, ça c'est permis. On tourne la page, vechen begat. De même, begat. Gat, qu'est-ce que c'est gat? Gat, c'est l'endroit où on presse les raisins. C'est une sorte de bassine dans laquelle on presse les raisins pour en faire du vin. Et la Gemara donc comprend que c'est pareil ici aussi. C'est pareil ici aussi. La Gemara va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Ibayalou, la Gemara pose la question. Carmelit mai. Qu'est-ce qu'il en est de Carmélite? C'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans un Reshut Yachid, par exemple, et il veut boire dans un Carmélite. Il est dans un domaine privé, et il veut boire en sortant sa bouche, en sortant sa tête uniquement, pour boire dans un domaine qui est Carmélite, qui n'est pas Reshut Yachid ni Reshut Arabim. Donc ce domaine-là, il est interdit midrabanan, c'est-à-dire on n'a pas le droit de sortir ou de rentrer dans ce domaine-là, d'un Reshut Yachid par exemple, ou d'un Reshut Arabim pareil, et lui, il est en train de sortir sa bouche pour boire là-bas. Est-ce que c'est permis ou interdit? Est-ce qu'on interdit que dans un Reshut Arabim, de peur qu'il rentre, comme on a dit, la bouteille par exemple chez lui à la maison, et qu'il risque d'en arriver à un travail interdit, à une melacha d'oraita, qui est interdite minatora, tandis qu'ici, où il n'y a pas de d'oraita, puisque le carmélite n'est pas un domaine qui est interdit de la Torah, c'est un interdit que des Chachamim. Donc ici, les Chachamim n'ont pas interdit de sortir sa bouche pour boire là-bas, ou non, ou ils n'ont pas fait de différence, c'est interdit dans tous les cas. Amar Abaye, Abaye dit c'est la même chose, c'est pareil, il n'y a pas de différence entre Reshut Arabim et Carmélite, c'est pareil. De la même manière qu'on interdit dans un Reshut Arabim de sortir sa bouche pour boire, de la même manière il est interdit de sortir sa bouche pour boire dans un domaine qui est Carmélite. Rava Amar, Higuf Agzera. Rava dit non. De boire en sortant sa bouche, c'est pas interdit de la Torah. Ou plutôt non. Il faut commencer autrement. Yigufa Gzera, c'est-à-dire que même si finalement il va rentrer la bouteille du carmélite à sa maison, c'est pas interdit de la Torah. Ce n'est qu'une Gzera, c'est un décret de Chachamim. Ve'anan nikum ve'nikzor Gzera l'Gzera. Et nous, on va se lever pour faire un décret pour un décret. C'est-à-dire que quand il sort sa bouche et qu'il boit là-bas, en réalité, en principe, c'est pas interdit. C'est que, simplement, les Chachamim craignent qu'il risque de rentrer la bouteille aussi. Mais finalement, même s'il va rentrer la bouteille,
ce ne sera pas vraiment interdit de la Torah, ça ne sera interdit que des Chachamim. Donc les Chachamim ne font pas un décret sur un décret. Donc dans un carmélite, il sera permis de sortir sa bouche et de boire là-bas. Amar Abaye Mena Aminala. Abaye qui est interdit dans un carmélite comme dans un Reshut Arabim qui n'a pas fait de différence, il dit Mena Aminala, d'où je sais dire ça? Mena de où? Aminala, je l'ai dit. Dektane Vechan Begat. Car on a enseigné dans la Braïta et de même pour Gat. Gat, c'est comme on a dit, c'est la bassine dans laquelle on presse les raisins. Maï Gat. De quel statut a cette chose-là de Gat? Ir Reshut Arabim. Si elle est des mesures qui en font un domaine privé, un Reshut Arabim, donc c'est haut de 10 Fahim, c'est large de 4 sur 4. Tanina, on a déjà enseigné qu'il est interdit de se tenir dans un Reshut Arabim et de rentrer sa bouche dans un Reshut Arabim pour boire. Ici aussi, quelqu'un qui se trouve dans un Reshut Arabim et qu'il a vu une bassine comme ça dans laquelle on pressait les raisins, et il rentre sa bouche pour boire là-bas du vin, eh bien, on sait bien que c'est interdit. On a déjà dit que dans un Reshut Arabim, un Reshut Arabim est interdit. Ir Reshut Arabim, si cette bassine-là, elle ne sort pas des mesures encore d'un Reshut Arabim, c'est-à-dire elle ne fait pas 3 tfachim, elle n'est pas haute du sol de 3 tfachim, elle fait qu'une vingtaine de centimètres de haut, et donc ça s'appelle encore Reshut Arabim, et lui, il se penche pour boire là-bas, alors qu'il se trouve dans un Reshut Ayachid. Donc je reprends, lui, il est chez lui à la maison, il sort sa bouche par la fenêtre, et avec une grande paille, il veut boire du vin de cette bassine-là, qui a un statut de Reshut Arabim. Tanina, on l'a déjà enseigné. Donc, de quel gâte il s'agit, de quelle bassine il s'agit? Et la lave carmélite. Il s'agit d'une bassine de vin qui a un statut de carmélite. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de l'enseigner parce qu'on ne l'a pas enseigné jusqu'à présent. Et la Braïta a justement précisé dessus qu'il en est de même pour cette bassine de vin qui, elle aussi, elle est comme un Reshut Ayachid ou un Reshut Arabim. Et que donc il est interdit de se pencher, de sortir sa bouche d'un domaine à un carmélite, de n'importe quel domaine de Reshut Ayachid ou du Reshut Arabim à un carmélite, pour boire là-bas. De là, Abaye prouve son avis qu'il est interdit. On ne fait pas de différence entre carmélite et Reshut Arabim. Rava Amar, tandis que Rava qui fait, oui, la différence, il explique cette phrase autrement. Vechen Megat Leinyan Maaser. Ce qu'on a dit qu'il en est de même pour le vin, on ne parle pas du tout de Shabbat. C'est pas ça le sujet du tout. On parle d'autre chose. On parle de maaser, de prélèvement. Donc la Gemara va s'expliquer. Avant ça, la Gemara, elle renforce cette interprétation en disant Vechen Amar Rav Sheshet, Vechen Begat, l'inyan maaser. Rav Sheshet aussi a compris comme Rava que ce qu'on a dit Vechen Begat, il se rapporte non pas de Shabbat, mais ça se rapporte sur les prélèvements de maaser. Detnan, et là la Gemara explique, la Gemara, elle s'explique maintenant. Shotin alagat. Donc Shotin alagat, on a le droit de boire avant de prélever le vin de la bassine directement dans laquelle on a pressé les raisins, ben alachamin, ben alatsonen, aussi bien s'il prend ce vin-là chaud, à chaud, c'est-à-dire qu'il le coupe, avec de l'eau chaude, ou bien ben alatsonen, ou bien qu'il le boit et le coupe avec de l'eau froide, ou patour, d'ivré Rabbi Meir. Il est patour de prélèvement, il n'a pas besoin de faire les prélèvements. Pourquoi? Parce que il y a une règle dans tous les prélèvements qui dit qu'on est chayav de prélever les tourmot ou maasrot qu'une fois qu'on a terminé complètement le travail de ce fruit-là. Donc ici, les raisins ont été pressés dans une bassine. Dans cette bassine-là, on a déjà obtenu du vin. Ce jus-là, il n'est pas encore arrivé à destination. Il doit sortir de cette bassine-là pour rentrer dans un certain puits. Là-bas, on va continuer à en faire du vin. Entre-temps, ce vin dans la bassine s'appelle que lo nigmera melarto. Son travail n'a pas été encore terminé. Donc, on n'a pas besoin de faire les prélèvements de cet endroit-là. C'est pour ça que selon Rabbi Meir, on peut même sortir. Non, pas sortir. Shotin alagat, boire sur cette bassine-là, sans prélever. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok mechayev. Selon Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, on est chayav des prélèvements parce que dès qu'il a sorti de la bassine, ça y est, dans le verre dans lequel ça se trouve maintenant, ça s'appelle que c'est terminé. Son travail est terminé, donc il faut faire les prélèvements. Ma chachamim omrim, selon chachamim par contre, il faut faire la différence entre à chaud ou à froid. Ala chamin chayav, ala tsonen patour. Si le bois chaud, il est chayav de prélèvement. Si le bois froid, il est patour de prélèvement. Mais pinesh umardir et amotar. Car quand il boit le vin froid, il peut en goûter un petit peu, il veut dire, ah, c'est un vin excellent, pas de problème. Et il verse le reste de son verre dans la bassine. Et donc finalement, ça s'appelle que dans son verre, ça n'a pas été encore terminé. Il faut encore que ça arrive au puits, comme on a dit.
Et donc, il est pas tour de prélèvement. Tandis que si le bois est chaud, il pourra pas reverser les restes du verre dans la bassine parce que ça va abîmer le vin. Ça va, le vin, il va tourner, ça va l'abîmer, il ne peut pas verser le reste. Donc, finalement, dès que ça arrive dans son verre et qu'il a coupé à chaud, ça s'appelle que Nigmera Melart. Son travail était terminé. Et donc, dorénavant, il est obligé de faire les prélèvements. Donc, tout ça, c'est une question de prélèvement. Et c'est sur ça qu'on a dit Vechen Begat. Donc, quand on a dit que si il met sa bouche, sa tête sur la bassine pour boire le vin, ça s'appelle que c'est pas encore sorti de là-bas et qu'il n'est pas tour de prélèvement. Mais s'il a sorti, il est chayav. C'est là où on a ajouté la précision et c'est sur ça qu'on a dit. C'est ça qu'on a dit donc Vechen Begat. Voyons Rashi. Rashi explique avec plus de précision. Rashi ici du côté gauche, Dibur Hamatri Leinyan Maaser. L'inyan maaser, en ce qui concerne les prélèvements, des shtia, la gat mamash, que de boire sur la gat, sur cette bassine-là, shelo akaro misham, il n'a pas retiré le vent de là-bas, l'otzi, or chutza, pour le sortir à l'extérieur, havia shtiat aray. Ça s'appelle boire, ça c'est une manière de boire qui n'est pas une manière fixe, c'est une manière un peu, temporaire, ou plutôt, une manière qui n'est pas vraiment installée et fixe. Ou pas tour mi maaser, et donc il est pas tour de prélèvement, kolzman, sheloyar à la bord, tant que c'est pas descendu au puits. Shugmar melarto le maaser, qui est considéré comme la fin de son travail en ce qui concerne le maaser. Aval lotio misham, mais s'il sort le vin de sur la bassine, la havek keva, ça s'appelle déjà une manière fixe et stable, shen medato l'arzir à motar, car il n'a pas l'intention de reverser là-bas ce qu'il va rester. Mais à falgas de l'enigma melartol et maaser, assour. Et donc, malgré que, son travail n'a pas été terminé en ce qui concerne le maaser, c'est pas que dès qu'il a sorti de la bassine, je dis, ça y est, c'est son endroit final, le travail a été terminé, il est chayav des prélèvements. Non. C'est pas encore gmar melacha. Ça n'a pas encore été terminé en ce qui concerne le maaser. Mais cependant, la lacha dit que, une chose qui n'a pas encore été terminée, et que donc on a le droit d'en profiter de manger ou de boire avant les prélèvements, c'est que si on le fait de manière pas fixe, de manière à rail. Et là, ça sera permis. Mais dès qu'il s'installe manger, là, même si ce fruit-là n'a pas encore été terminé, on doit le prélever. Donc c'est pour ça qu'en réalité, finalement, conclusion, il faut deux conditions pour être rayav plutôt pour être pas tour des masses. Il faut deux conditions. Premièrement, que ce soit l'onigmera melarto, que son travail ne soit pas terminé. Et deuxièmement, que la manière dont on le mange ou on le boit ne soit pas une manière fixe. Donc c'est pour ça que pour permettre de boire de ce vin sans prélever les maasrot, il faut que ce soit, ça sorte de la bassine et pas du puits. Et deuxièmement, qu'il boive le vin sur la bassine et pas à l'extérieur. C'est ça ce qu'on a dit dans la braïta précédente qui disait on n'a pas le droit de même que pendant Shabbat il est interdit de se pencher pour boire dans un autre domaine. De la même manière, en ce qui concerne les prélèvements du vin aussi, il n'aura pas le droit de se tenir à l'extérieur de la gâte, de la bassine, pour se pencher, pencher sa bouche, sa tête, et boire de là-bas sans prélever. Là, il devra prélever. Tandis que, comme on a vu, s'il a vraiment rentré la tête et la majorité de son corps à l'endroit de la bassine, alors là, peut-être qu'effectivement, il aura le droit d'en boire, d'en profiter, même sans faire les prélèvements. On continue dans la Gemara en début de ligne. Tnan. Lo yetzeh achaya de machato. Donc on reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Lo yetzeh achaya de machato. Donc le tailleur n'a pas le droit de sortir avec son aiguille. Samuch la chashecha, proche du coucher du soleil. Shema yishkar beyetzeh, de peur qu'il oublie et qu'après le coucher du soleil, il porte son aiguille. Maïla de trouva le bigdo. N'est-ce pas, dit la Gemara, qu'il s'agit que l'aiguille, elle est plantée, elle est rentrée dans son vêtement. Et donc on voit. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Quel est le problème? On voit ici que malgré que s'il sort pendant Shabbat avec une aiguille dans ses vêtements, c'est pas interdit de la Torah, c'est interdit que des chachamim. Parce que de la Torah, on est chayav, on appelle ça une melacha, un travail interdit, que s'il l'a fait vraiment de manière importante, de la manière habituelle, classique, que de porter l'aiguille dans ses mains. Or, une aiguille qui est plantée dans ses vêtements, ça s'appelle pas, on n'est pas chayav dessus pendant Shabbat. Malgré tout, on lui interdit de le faire avant Shabbat, parce que les Chachamim ont fait une gzera sur une gzera, un décret sur un décret. Ils ont interdit ça de peur qu'il le fasse pendant Shabbat, et pendant Shabbat, ce n'est interdit que Midera Banan. Donc on voit qu'on fait pour Shabbat un décret pour un décret. Donc pareil,
On devrait dire que même à propos de Carmélite, ce sera une preuve pour Abaye qui a dit qu'il est interdit de se tenir dans un domaine et pencher sa tête pour boire dans un Carmélite. Malgré que, même si finalement il porte la bouteille du Carmélite à là où il se tient, ça ne sera qu'un issour des Chachamim. Les Chachamim ont ajouté là-dessus quand même une xéra d'interdire de pencher sa tête pour rentrer sa bouche là-bas et boire. Répond la Gemara Lo. Il s'agit qu'il tient l'aiguille dans sa main. C'est pour ça qu'avant Shabbat interdit, de peur qu'il le fasse pendant Shabbat. S'il faisait pendant Shabbat, ça sera interdit de la Torah. Mais si c'est planté dans son vêtement, ou là, c'est pas interdit de la Torah pendant Shabbat, alors ce sera pas interdit non plus avant Shabbat. Donc pendant Shabbat, ce sera interdit de Rabbanan, mais avant Shabbat, ce sera permis parce que peut-être que les Chachamim ne font pas une gzera sur une gzera, un écrit sur un écrit. Tashma, autre preuve. Lo yetzeh achayad emachatot ruva lo bevigdo. On voit clairement ici qu'on lui interdit de sortir avec son aiguille qui est plantée dans son vêtement. Maïlav be'erev Shabbat, n'est-ce pas qu'il s'agit de vendredi après-midi, donc proche du coucher du soleil. Les Chachamim lui auraient interdit de le faire de peur qu'il s'oublie et que pendant Shabbat il sorte comme ça aussi. Il porte sur son aiguille de cette manière-là. Donc on voit à nouveau une preuve pour Abaye que les Chachamim font une gzera pour une gzera. Donc on aura une preuve d'ici comme Abaye que même dans une carmélite il sera interdit de boire en se tenant dans un autre domaine. L'eau. La Gemara repousse en disant non. Kitanyaï be Shabbat. Cette braïta là qui interdit de porter l'aiguille dans son vêtement, elle parle de Shabbat même. Pendant Shabbat c'est interdit, mais avant Shabbat ce sera peut-être permis. Ve'atanya, la Gemara continue à objecter d'une braïta qui dit très clairement Lo yetzeh achayad emachatot truva bevigdo be'erev Shabbat imchashecha. Donc même à truva bevigdo, même si son aiguille, elle est plantée dans son vêtement, be'erev Shabbat, avant Shabbat, imchashecha, proche du coucher du soleil, c'est interdit. Donc on voit clairement ici que les Rachamim font une gzera, l'exera, un décret pour un décret. Répond la Gemara, Haman et Rabbi Udaï. Ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Uda, de Hamar qui a dit, Uman derech umanuto chayav. Un artisan qui fait de sa manière professionnelle, il porte ses objets de profession, comme sa manière classique à lui personnelle, enfin à la manière des gens de ce métier-là, il est chayav s'il a fait pendant Shabbat. Donc c'est-à-dire, cet homme-là qui a l'habitude, lui, comme tous les gens qui ont son métier, de sortir avec des aiguilles plantées dans le vêtement en semaine, il est chayav s'il l'a fait pendant Shabbat. Il est chayav, c'est-à-dire que c'est interdit de la Torah. C'est pour ça qu'on lui interdit, même avant Shabbat, proche du coucher du soleil, de sortir de cette manière-là, de peur qu'il s'oublie et qu'il le fasse pendant Shabbat, où là, il sera chayav de la Torah. Donc, on n'a pas de preuve d'ici que les Chachamim fassent une gzera, l'exera, un décret pour un décret. D'Etania, la Gemara renforce cette idée-là d'une vraie tête qui dit clairement « Lo yetzeh achayad emachato atruva lo bevigdo ». Donc, le tailleur n'a pas le droit de sortir avec une aiguille qui est plantée dans son vêtement « Velo » Nagar, velo nagar bekissam shebozno. Donc velo nagar ni le menuisier bekissam shebozno avec la brindille dans son oreille qui sert à montrer à tout le monde quel est son métier. Velo sorek bemshicha shebozno, c'est encore un métier qui s'occupe des vêtements aussi. Il peigne les vêtements. Bemshicha avec une ficelle shebozno à son oreille. Velo gardi, quelqu'un qui tisse des tissus beira chez Bozno avec du coton qu'il accroche sur son oreille. Velo tsaba bedugma chez Betavaroni, un peintre avec un exemple de toutes sortes de couleurs de peinture qu'il porte à son cou. Velo shulchani, ni un banquier ou quelqu'un qui change de l'argent. Bedinar chez Bozno, il n'a pas le droit de sortir non plus avec une pièce d'argent, de monnaie qui est accrochée à son oreille. Vemiata. Patour Avalasour, d'Ivré Rabbi Meir. S'il est quand même sorti en portant ces choses-là, il n'est pas tour Midera Banane parce que il n'est pas tour de Corban parce que c'est pas la manière normale que de porter ces choses-là. Avalasour, mais c'est quand même interdit Midera Banane, selon Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, ou Madre Humanuto Chayav. Selon Rabbi Uda, par contre, un artisan qui l'a porté de la manière dont les gens de son métier le portent, il est Chayav. Ou Shar Koladam, Patour. Mais les autres sont Ptourim s'ils sortent de cette manière-là. Donc c'est comme ça que la camarade veut répondre, qu'on a vu que le tailleur, il n'aura pas le droit même avant Shabbat de sortir avec son aiguille qui est plantée dans son vêtement, de peur qu'il le fasse pendant Shabbat. C'est pas qu'on a décrété ici un décret de peur qu'il en arrive à un issour des Rabbanan, c'est de peur qu'il en arrive à un issour de Oraita. S'il le fait pendant Shabbat, eh bien il aura transgressé un issour de la Torah. Tani Chada, la camarade ramène maintenant deux braïtot contradictoires qu'il faudra résoudre.
Première braïta qui dit « Lo yetze hazav bekisto ». Celui qui a un écoulement impur n'a pas le droit de sortir avec une poche sur son membre, veimiatza patour, avalasour. S'il l'a fait pendant Shabbat, il est patour de korban, mais c'est quand même interdit. Vetania idach autre braïta qui dit, lo yetze veimiatza chayav chatat. Il n'a pas le droit de sortir, s'il est sorti avec, il est chayav d'un korban chatat, donc c'est interdit de la Torah. Amar Rabbi Yosef Lokash et Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef vient répondre tout simplement. La braïta qui dit qu'il est patour, elle va comme Rabbi Meir qui a dit que même un artisan qui est sorti avec un objet de la manière dont ses amis sortent, il est quand même patour parce que les gens en général ne le font pas. Alors, c'est la braïta qui dit qu'il est patour aussi. Cet homme-là impur, il porte cette poche-là en question qui sert à, comme on verra à quoi elle sert, en tout cas, elle sert un petit peu à le protéger ou bien à d'autres choses. Mais en tout cas, c'est pas une manière classique de porter cette poche-là. Donc, il est patour. Selon Rabbi Yehuda, par contre, il est chayav parce que tous les gens dans sa situation, ils le font. Et donc, ça s'appelle une manière classique de porter cette chose-là, cette poche-là, et donc il est chayav. Amar le Abaye. Abaye repousse la réponse de Rabbi Yosef en lui disant « Emour de Shamat al Rabbi Meir, il est vrai qu'on a entendu Rabbi Meir dire « Bemide de la vaynu urche » une chose qui n'est pas sa manière classique, c'est-à-dire même un artisan, lui, en général, en principe, c'est pas comme ça qu'il porte une aiguille. C'est que une aiguille qui lui sert à prouver quel est son métier pour appeler les gens ou les autres pareils, c'est là où il est chayav. C'est là où Rabbi Meir a dit qu'il est patour. Je reprends. Rabbi Meir qui a dit qu'il est patour, c'est que pour une chose pareille que, comme on a vu, en général, c'est pas de cette manière-là que même les gens comme lui porte. Donc il porte, comme on a dit, celui-là il portera une ficelle pour montrer à tout le monde qu'il cherche du travail, ou l'autre chacun selon son métier, mais en général c'est pas comme ça que même cet homme-là il porte cette chose-là. Mais cette poche-là qui sert à être portée de cette manière-là, comme on a dit, la poche donc sur le membre de l'homme impur, est-ce que Rabbi Meir dira qu'il est patour? C'est de cette manière-là qu'on la porte. On devrait dire, Rabbi Meir sera d'accord qu'il est chayav. Dilotem achi, si tu ne dis pas comme ça, prouve Abaye. Et la meata, si c'est comme ça, alors qu'est-ce que diras-tu dans un cas où? Hediot shechakak kav bebakat beshabbat. Hediot, c'est un homme simple. Il n'a pas le métier. Shechakak kav, il a formé, il a creusé. Kav, c'est une certaine mesure. Bebakat, dans un morceau de bois. Beshabbat, pendant Shabbat. Donc, il a fait quelque chose qui est vraiment un travail très fin. Lui, il n'a pas la main vraiment, mais il a quand même fait. Les Rabbi Meir, Achinam, Idole Mechayev. D'après Rabbi Meir, est-ce que tu penseras vraiment qu'il n'est pas Chayav parce que lui n'a pas l'habitude de le porter de cette manière-là? Évidemment que la Melacha qui a été faite, puisqu'elle a été faite correctement, le travail a été fait finalement, il est donc Chayav dessus. Donc, Rabbi Meir sera d'accord qu'une poche qui se porte de cette manière-là, on est Chayav dessus. Et la Marav Amnuna Lokashia. Donc il faut répondre à la contradiction d'une autre manière. Kan bezav bal shteriyot, kan bezav bal shaloshriyot. Ça dépend si cet homme impur, il a vu deux fois l'écoulement impur, ou trois fois. Et la Gemara s'explique en objectant en fait. Maishna zav bal shteriyot de chayav. En quoi est différent celui qui a vu deux écoulements impurs, que tu dis qu'il est chayav? Pourquoi tu dis qu'il est chayav? Nemimbaile lebdika. Parce que lui, il a besoin de cette poche-là, pour vérifier s'il n'a pas eu un troisième écoulement impur, qui va le rendre chayav de korban en fin de purification. Donc il en a vraiment besoin, il s'en sert pour de vrai, et donc il est chayav s'il l'a porté pendant Shabbat. Si c'est ça la raison, zav bal shalosh namimi baile, même un zav, un homme impur qui a eu trois écoulements impurs, il en a besoin, il a besoin de cette poche-là, les sphira pour son compte de ses 7 jours de propreté. Donc le zav impur, l'homme impur, qui a eu 3 écoulements impurs, il doit aussi, enfin, certains écoulements, il doit, pour se purifier, compter 7 jours de propreté en se vérifiant chaque jour, en portant ce vêtement spécial. Donc, si, lui aussi, il en a besoin. Il n'y a plus de différence entre celui qui l'a vu 2 fois, et l'écoulement, et celui qui l'a vu 3 fois. Les deux ont besoin de ce vêtement, de la même manière, de cette poche-là. Répond la Gemara, lo nitzricha, ela lebo bayom. Non, on a quand même besoin de ce cas spécial, pour le cas où il a vu son 3e écoulement pendant Shabbat même, et que donc finalement pendant Shabbat il n'a aucun besoin de porter cette poche-là, parce que finalement ce jour-là du Shabbat de toute façon ne sera pas compté dans les 7 jours propres, parce qu'il n'était pas propre tout simplement. Et donc, de Korban de toute façon il est chayav parce qu'il a vu déjà 3 fois l'écoulement impur.
Donc finalement, il n'a pas vraiment besoin de cette poche-là, il est donc patour dessus. Demande la Gemara Vami Baile Kedei Sholeitan Fukelav. Il en a quand même besoin de cette poche-là pour protéger ses vêtements qu'ils ne se salissent pas. Donc on devrait le rendre Hayav. Répond la Gemara Amar Abizera Itanaou. Ça va, c'est la Breta qui le rend patour. Elle pense comme ce Tana-là qui dit, d'Amar, Kol Atsuletinouf Lokachashiv. Toute chose qui est portée que pour se protéger, pour ne pas se salir, plutôt tout ce qui vient pour être sauvé de saleté, Lokachashiv, on ne lui accorde pas d'importance. Detnan, la Gemara ramène là-dessus l'exemple d'une Mishnah qui dit, Akofe Kehara la Kotel, celui qui retourne une assiette sur un mur. Im Bishvil Shetudacha Kehara, Areze Bechiutan. Il pleut, il y a de l'eau qui coule dessus. Si lui, son intérêt est de laver l'assiette, alors il a de l'intérêt pour cette eau-là. De l'eau qui vient avec intérêt, elle rend les fruits qu'elle a touchés, elle les rend aptes à recevoir de la touma. C'est une règle générale qui dit que pour qu'un fruit puisse recevoir de la touma, il faut qu'il soit mis en contact avec un liquide comme de l'eau. Donc ici, il y a dessus une condition qui dit qu'il faut que cette eau vienne à son intérêt. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Disons qu'il pleut. Il veut protéger son mur, ou en tout cas, il a pris une assiette, il a retourné sur le mur. Maintenant, la pluie, elle vient et elle lave l'assiette, il en est content. S'il en est content, cette eau-là, qui va ensuite tomber sur un fruit, eh bien, ce fruit-là, il est dorénavant apte à recevoir de la touma. S'il va toucher quelque chose d'impur, il devient impur. Tandis que, Imbishvil, chez Loïlka Kotel, si la raison pour laquelle il a mis là-bas l'assiette est pour protéger le mur qu'il ne s'abîme pas de l'eau de pluie, Enoberhiutan, il n'a pas d'intérêt de cette eau-là, au contraire, donc finalement, cette eau-là, même si elle va toucher un fruit, ça ne le rend pas, on ne l'appelle pas Kiyutan Maim Alzera, on ne lira pas dessus le passage qui dit lorsque sera mis de l'eau sur Alzera, sur des graines, etc. Si ça va toucher de la touma, ça devient impur. Non, ici, il n'est pas intéressé par cette eau-là, et donc le fruit ne reçoit pas de la touma. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que puisqu'il n'a mis ici l'assiette que pour protéger le mur, il n'a pas d'intérêt au contraire de cette eau-là, ce n'est que pour que le mur ne se salisse pas, ne s'abîme pas, ça n'a pas d'importance, on ne considère pas cette eau-là. Ici aussi pareil, puisque, dit la Gemara, il ne porte cette poche-là que pour se protéger ou protéger ses vêtements de ne pas se salir, alors ça ne s'appelle pas qu'il a porté pendant Shabbat, il ne sera pas tout. La Gemara n'accepte pas cette comparaison du tout. La Gemara fait une différence très claire. Midami, est-ce que ça se ressemble? Hatam, le kabailo lehan emashkin klal. Là-bas, notre sujet à propos de l'eau de pluie, là-bas, à propos des fruits, le sujet il est-ce qu'il a un contentement de l'eau, de ce liquide, oui ou non? Et or, il n'a pas du tout de contentement de ce liquide-là, au contraire. Il veut s'en débarrasser, c'est pour ça qu'il éloigne du mur en mettant là-bas une assiette qui est plus large que le mur, en retournant l'assiette, de manière à ce que ça ne touche pas, ça n'abîme pas le mur. Tandis que ici, il a eu besoin de cette poche-là, les kaboulé beziva, pour recevoir là-bas son écoulement pour ne pas se salir. Maintenant, finalement, la poche, il en est intéressé, donc sur la poche, il est chayav. On devrait le rendre chayav dessus. Ça ne ressemble pas au cas de la pluie où il n'a pas du tout, où là-bas le sujet il est la pluie. Là-bas, le sujet, c'est l'eau. Ici, le sujet, c'est la poche. L'eau, il n'a pas de contentement du tout de cette eau-là. La poche, il en a 8 besoins. Donc, il devrait être rayable sur la poche. On devrait, oui, accorder de l'importance à cette poche-là et le rendre rayable. Halodam et al-Sefa. Donc, la Gemara dit, la vraie comparaison à faire, c'est à la suite de la Mishnah là-bas à propos de la pluie, qui dit, Areva shiara delafletocha, une bassine dans laquelle il y a une fuite qui tombe là-bas, Maim hanitazin vanitspin, l'eau qui éclabousse de là-bas, qui sort de là-bas ou qui déborde un peu de là-bas, enan bechiutan, ne sont pas des eaux qui rendent les fruits qui sont mis en contact avec cette eau-là aptes à recevoir de la touma. Veshebetocha, mais l'eau qui se trouve à l'intérieur de cette bassine-là, reze bechiutan, c'est huit de l'eau qui est considérée comme de l'eau qui est venue avec satisfaction, avec contentement, qui peut rendre les fruits aptes à recevoir de la touma. Donc on voit que même dans ce cas-là, où il n'a mis la bassine ici que pour que pour pas qu'il y ait de fuite dans la maison et que ça tout va se salir,
ça s'appelle quand même de l'importance. Il a donné quand même de l'importance à cette eau-là, puisqu'il a reçu, il a mis une bassine pour recevoir cette eau-là. Donc, ça lui donne de l'importance. Ici aussi, c'est pareil. Cet homme-là qui met cette poche, puisqu'il en a besoin, même si c'est pour se protéger de ne pas salir ses vêtements, il lui a quand même donné de l'importance. Et donc, il devrait être haïav là-dessus. Répond la Gemara. El Amar Abaye, réponse finale à la contradiction des Braïtot. Et là, Abaye verava d'Amrit Arvayou. Elle a dit la Gemara. Abaye Rava, les deux disent ensemble. Lokashia. C'est pas une contradiction entre les Braïtot. Lokashia, en fait, il n'y a pas de Kashia ici. Ha Rabbi Uda veha Rabbi Shimon. La Braïta qui dit qu'il est chayav, en portant cette poche-là, elle va comme Rabbi Uda qui dit, Melacha shenat richa legufa, un travail qui il n'est pas venu pour lui-même, il est chayav dessus. Donc ici par exemple, cet homme-là, il met cette poche-là, pas pour porter l'écoulement parce qu'il en aura besoin ailleurs, c'est pas ça ce qu'il veut, c'est que pour se protéger. Dans ce cas-là, on n'est pas chayav dessus. On est chayav dessus selon Rabbi Uda. Même dans ce cas-là, on est chayav dessus. Tandis que la Braïta qui dit qu'il n'est pas tour, elle va comme Rabbi Shimon qui dit, une melacha, un travail interdit qui a été fait pendant Shabbat, si son intérêt n'était pas vraiment le but du travail, donc comme ici par exemple, où son intérêt n'était pas de porter la poche pour garder son contenu, pas du tout, c'est que pour protéger les autres vêtements qui sont tout autour. Dans ce cas-là, selon Rabbi Shimon, c'est une melacha shenat richa legufa, un travail dont il n'a pas vraiment besoin de son but classique, et donc selon Rabbi Shimon, il n'est pas tour. C'est une grande machloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon qui va se répéter beaucoup dans la Maseret Shabbat et la Maseret suivante aussi, certainement dans Maseret Eruvin. Ça se répète beaucoup, on la trouve beaucoup dans ces Maseretot-là. Donc de cette manière-là, on a résolu la contradiction entre les Braïtot. La Braïta qui a dit « il n'est pas tour », elle va comme Rabbi Shimon, qui dit « cette poche-là, finalement, il en a besoin, c'est vrai, mais il n'en a pas besoin pour son vrai but. » son but, c'est-à-dire son intérêt personnel, c'est de se protéger. Mais quand il prend une poche en général, c'est plutôt pour porter son contenu. Or ici, c'est pas ça ce qui l'intéresse, donc il n'est pas tour. Selon, il n'est pas tour, donc il est, de la Torah, il n'est pas tour. Midei Rabbanan, c'est interdit, mais de la Torah, il n'est pas tour. Ça pourrait être interdit selon certaines conditions, Midei Rabbanan. Selon Rabbi Uda, par contre, il est chayav, parce que on est chayav pour une melacha qui a été faite, même si son intérêt est pas l'intérêt classique, il est quand même chayav. Un exemple classique qu'on donne pour la marloquette de Rabbi Uda et Rabbi Shimon, c'est celui qui creuse un trou dans la terre et qu'il n'a pas besoin du trou, il a besoin de la terre. Est-ce qu'il est chayav ou pas tour? Le trou, il a été fait automatiquement. Mais son intérêt, c'était pas le trou, c'était pas ça son but. Est-ce qu'il est chayav dessus ou pas? Donc selon Rabbi Uda, il sera chayav parce que finalement la melacha a été faite très clairement. Selon Rabbi Shimon, par contre, il sera pas tour parce que c'est une melacha shenat richa legufa. Il n'a pas besoin de la melacha elle-même, qui est le trou. Il a besoin de la terre. Dans ce cas-là, selon Rabbi Shimon, il est pas tour.